Ah bon? Mais c'est quoi des poux? Un poux, c'est un petit parasite qui se fixe aux cheveux avec de grosses pinces. Il vit 1 à 2 mois. La femelle pond 4 à 10 œufs par jour. Ces œufs s'appellent des lentes et se collent aux cheveux. Ils éclosent entre 7 et 10 jours sous forme de larves ou de nymphes qui deviennent des adultes en 10 à 15 jours. Le poux se nourrit de sang en piquant à travers la peau. Il dépose un liquide très irritant qui provoque des démangeaisons et quelques croûtes. Le poux saute de tête en tête et se transmet par contact direct avec la tête d'un autre enfant ou par contact indirect avec des objets. Pour éviter d'avoir des poux, il ne faut pas que tu colles ta tête à celle des autres enfants. N'utilise pas leur peigne, leur brosse ou leur serviette et n'échange pas ton manteau ou ton bonnet avec eux. Brosse-toi les cheveux régulièrement et attache-les bien. Mais du coup, je fais comment? Ça me gratte, moi. Ah, j'avais acheté un shampoing ou une lotion en grande surface ou en pharmacie. Mais attention, il faudra bien suivre la notice et les conseils du pharmacien. Tu es sûr que c'est efficace? Oui. Autrement, moi, quand j'étais petit, ma mère utilisait des produits naturels comme du vinaigre ou des huiles essentielles mélangées à ton shampoing. Ah, ça devait sentir mauvais! Moi, ce qui m'amuserait, ça serait d'aller dans un salon où ils traitent les poux avec un aspirateur. Pourquoi pas? Allons essayer!